C'était la folie. Avec mes potes, on s'est chauffé. Clairement, on s'est grave chauffé. On roulait pas mal en vélo en ce moment pour la rééducation de mon genou. Les gars, ils sont en train de s'entraîner pour la préparation hivernale, on va dire, pour le sable. Enfin, du coup, pour leur saison de championnat de France des sables. Et puis, on s'est dit, allez, pourquoi pas, on se chauffe, on fait un road trip. Dans un premier temps, on ne savait pas trop où aller, on ne savait pas trop quoi faire. Puis, on a mis tout ça en place et on s'est dit, allez, pourquoi pas, allez au Grand Prix de Saint-Jean. Tout s'est mis en place, on a pris les Airbnb pour la semaine, donc on avait des kilomètres à faire tous les jours. Ça nous obligeait à les faire du coup. Donc le premier jour on avait 88 km, 136, 110, 150 et on finissait en récup par 30 km. Donc on s'est chauffé avec un peu de motivation et tout, on s'est tous poussés plus ou moins à le faire. On était chaud, on a fait un petit peu d'entraînement comme je l'ai dit et puis c'était parti, hein. Et puis je me suis dit, allez, autant on en fait un vlog, on fait une vidéo. Il y a longtemps que j'avais posté sur YouTube. Je me suis dit que ça pouvait peut-être faire kiffer les gens aussi de voir autre chose que de la moto sur ma chaîne. Donc voilà, on était parti sur un vlog. Donc le vlog va être vachement complet. Vous attendez pas à des records de vitesse, des ceci, de cela. On était vraiment en cyclotourisme, on va dire. Et puis voilà, de la détente, de la rigolade. Et puis c'était l'objectif de ce road trip. Donc vous allez voir du vélo, des conneries, de la rigolade, et puis surtout vous allez voir des insides aussi du Grand Prix de Saint-Jean. Donc vous allez voir ce qu'on a vu aussi également, que ce soit en termes des courses, des insides qu'on a pu faire, parce qu'on a dormi dans le paddock. On a eu de la chance avec Dom et Lenny de pouvoir dormir dans le paddock. Et puis les soirées aussi. Donc voilà. Allez, je pense que j'ai assez parlé pour l'intro et je vous laisse avec la vidéo. Lundi matin, il est 9h. Départ pour le road trip dans 1h, 1h15, grand max. Petite plâtrée de pâtes avec des œufs brouillés. C'est rare que je mange ce plat-là à 9h, mais bon, faut prendre des forces. Pour la première journée, allez. Ça va aller ou? J'ai pas fait de révision, ça claque déjà. Allez, départ pour Saint-Jean, jour 1. C'est parti, on rigole pas. 88 km aujourd'hui. On est chaud. On a le soleil. Ça devrait le faire. Première montée du road trip. On est déjà aussi. Non mais c'est un peu plus dur que d'habitude du coup. On doit avoir ouais, 5-6 kilos de plus que d'habitude. Et puis voilà. Montez tranquille. L'objectif c'est d'arriver. Hein. Et la petite relance. Oh le dodan. On est quasi, ouais, quasiment à la moitié de la route. Ouais, on est bien, hein. Sans trop forcer. C'est cool. Les sangles sont en train de s'arracher. On est actuellement à 40 km. Toufik qui nous a fait une petite relance et. Il était en train de faire une bavette. Du coup, on remet tout en place. Quasiment à la moitié de la route. 53 km. On attaque notre deuxième grosse côte. Et apparemment celle-là elle est un peu raide. On est du côté de Garenne-sur-Eure, Breuil-Pont, tout ça. Mais ça va aller. Du Solex. Qu'est-ce que tu dis? Elle a grimpé. Tout va bien. D'habitude il est là notre meilleur grimpeur. Bah ouais mais là le vélo à 15 kg mon copain je le sens dans les jambes. Elle nous a fait pas du bien celle-là. Ah grave. Ça nous a pas fait du bien, c'est mieux. Que pas fait du bien. Ouais. Ah bah à cette heure-ci on a le droit, on est excusé pour le 10%. C'était 10%, c'est pas énorme, mais. Oh, avec la remorque au cul, à 10% sur une petite bière, je peux dire que ça en met un coup derrière les étiquettes. Allez go. Ah bah ça y est. Donc là, démarrage, il me casse une roue. Et il se défonce la gueule. Allez la première. On a fait vite faire un petit pit stop pour remplir les gourdes. On est actuellement à Bois-le-Roi, chez mon pote Lucas Keno. Enfin, du moins, on passe dans son village.
et il nous reste une vingtaine de kilomètres. En haut, elle s'en rappellera. En bas, à gauche, à droite. Cette semaine là. Bon, là la route était barrée. Il y avait un panneau écrit risque d'effondrement du pont. Ils m'ont dit on y va, on verra bien. On verra bien. Je les laisse passer avant moi, je vous rassure. Parce que là, si tout fuit qui passe, tout le monde passe. Finalement, bonne nouvelle, on n'a pas à passer sur le pont, on doit passer en dessous. Du coup, Toufik est sauvé. Bon, par contre, faut qu'on trouve un moyen pour les barrières. Ce qu'on est obligé de faire pour passer sous le pont. Petit péage. Petit péage. Allez, go. Allez, on est kilomètre 80, il nous reste 5 ou 6 km avant d'arriver. Et on attaque notre dernière grosse côte. Elle est équivalente à celle d'avant en termes de dénivelé. Mais elle est 300 mètres moins longue. C'est positif. Mais c'est dur là. Enfin, ça va. First step done. 86 km. 14h30 il est. Je pense une bonne demi-heure de pause. Ouais. Mais tranquille, hein. Les jambes ça va. Non, on est bien. On est bien. L'arrivée de notre ravitailleur, notre soldat. Cache les bières. Hop. C'est mon six-pack, y'a rien. Il était sur la route, notre DDL. Et ouais. Ravitaillement, top. Express, impeccable. Bon, on avait dit qu'il nous fallait un petit coiffeur pour cette semaine, pour aller se faire couper les cheveux. Et, ouais. Et du coup, il y en a un juste en dessous de l'appart. On verra bien ce que ça donne. On n'est pas serein, mais on y va quand même. T'es cycliste, toi? Je suis cycliste professionnel. Premier soir, resto, petit chinois. Bien évidemment, on va manger light. Hein. Ça, c'est vous allez envoyer, les gars? Voilà. J'ai la dalle. Pau PQ, pau fiot, ah. Il va porter pas. Voilà, on va faire couler le chien. Tranquille, tranquille. On va aller au resto, on a faim. Et après, une bonne nuit avant d'attaquer les 130 km de là, demain. Déjà, là, on passe en mode racine. Et surtout, bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Ça arrive une fois que ça descend. Hein. Ah, c'est le saké. Il t'a saké. Il faut lui reprendre le sac là. Il t'a saké dedans. Mardi matin, 8h13, pas de poulet. Avant d'enchaîner les 135 km. Sans sel, sans beurre. Sec. Pas de matière grasse, rien du tout. On est full sérieux. Jour 2. Jour 2. Tout est prêt. Un peu d'angoisse quand même. Ah ouais, tu stresses là? Bah c'est pas du stress, c'est une fatigue psychologique d'être avec toi. Bon du coup, pour ceux qui nous ont demandé comment on allait emmener nos affaires. Donc on a des sacoches devant et des sacoches derrière. Bon là c'est un peu système D pour casquette, claquette et tout parce que du coup on n'a pas de chaussures. Puis les gourdes, le petit compteur, le petit téléphone pour filmer quand on roule. Et puis voilà, hein. Là on va partir. 135 km. Ouais, 135, 600 du début, je pense. Voilà. Gros sur le début et pas grand chose. T'es prêt? Ouais. Allez, go. 135. Topette. Topette. Allez, départ du jour 2. On est parti pour une route de 136 km. Direction Tours. Notre deuxième plus grosse sortie de la semaine. Avant celle de jeudi, il y aura un peu moins de kilomètres. Premier arrêt à 34 km 8.
Ça fait 1h28 qu'on roule. Il fait pas froid, mais on a bien le vent de face et on est en pleine plaine. C'est un peu chaud, mais pas le choix. On est bien. On se relaie pas mal parce que sinon on va se claquer vite. Et plus que 102 km. Tout fixe, 102 km. 102. On est bien. Bing. On est à 1 km de la moitié du parcours pour aujourd'hui. Petit pit stop parce que fallait remplir les gourdes. Petit tanka aussi. Je pense qu'on va prendre un petit sandwich. On va s'arrêter un petit quart d'heure histoire de manger. Puis après on va repartir pour la fin de la journée. Et la dernière partie. Et là Toufik, on est bien? On est plutôt pas mal. Avec la boulangère de Donjou. Ah, Donjou, meilleure boulangère de France. Il y a moult dedans. Tout dépend de la dose de quelqu'un qui veut. Ah, c'est bon. La raison pour laquelle on s'arrête. Sans les mains, non? Bah. Il est en train de se pisser dessus parce qu'il n'a pas une grande. Petit chinois. Je mettrais bien la photo là du petit chinois juste là. Genre là, tu vois, là je vais la mettre. Une photo de lui, là. Allez, on repart. Toufik. Il cherche la moindre solution pour économiser. Il y en a bien qui va s'étaler. Voilà, là on est actuellement à 100 bornes, à l'instant même. On est à un peu moins de 4 heures, on est à 3h59, donc ça fait qu'on est à un peu plus de 25 de moyenne. Non, pour l'instant on est bien. Il nous reste 36 km. À gauche! Bon là ça descend depuis tout à l'heure, ça va, mais qui dit descendre dit remonter. Il nous reste 36 km, ça va le faire. Kilomètre 111. Encore. Toujours le même qu'à la prostate. 25 km avant d'arriver, un peu moins, enfin environ une heure je pense. Puis ça aura fait une bonne sortie aujourd'hui. Toujours le même qu'un problème de prostate, visiblement. Bon bah on est à 6 km d'arrivée, on prend une bonne averse là, on se met à l'abri, hein. Vivement les 6 prochains kilomètres qu'on arrive quand même. Ouais, ça sera bien. On est bien, ça fait 129 là. Sec. Sec. On commence à être sec quand même. Non là on est trempé. On est encore en pleine mission escalade, pour une route barrée sous la pluie, et on doit escalader tout là-bas. Mais on est à 2 km d'arrivée en plus. On est bien. Ça y est, 135 km j'ai moi. On a fini complètement trempé, mais on est arrivé. À Montor sur Loire. 5h20 de pédalage. Trempé. On envoie sec ce soir, on en avait besoin. Les gars, petit couscous. Pavé drumstick, frites, salade, sauce poivre. Pas abuser sur la harissa, c'est dur. Non, faut pas. C'est pas préférable. Pas tube de sel. Ça, c'est risqué, ça. À tout moment, on fait une chambre arrière ce soir. Je dis ça, je dis rien. Il est actuellement 21h29. Et lui, il a pris une bague pour faire un tour. On est bien! On est bien! Bah t'es là toi! On se voit plus en soirée! Petit tour de barque nocturne. On visite chez les voisins. On a tenté de se faire payer une bière, mais c'est bien. 10h30. On profite. Après une petite balade en barque.
Il est actuellement 23h45 et je pense qu'il est temps d'aller faire une petite nuit. Allez, rendez-vous demain. Et tempête. Matin du troisième jour. Réveil. Comment ça se passe vécu? Ça a été cette nuit? Moi j'ai bien dormi encore. T'as dormi comme un bébé? Comme d'hab. Comme un enfant. La météo pas très clémente avec nous aujourd'hui. Hein. Mais bon, il a arrêté de pleuvoir. Mercredi matin. Frais comme des garçons. Petit repas différent d'hier. Poulet. Œufs brouillés, pâtes. Faut charger les batteries. Si on passe la journée sous la pluie ou pas. On verra bien. On a encore un défi. Tu te sens bien? T'as passé une grosse nuit, toi. 29. Comme si qui sortait de soirée. 29. Tu fais quoi là? Petite crème d'irritation. Ça tire les bourses ou quoi? T'es bien? Entre deux. T'es bien? Ah là, ça fait du bien. La vaisselle s'est pété la gueule sur ma gourde qui était pas fermée. Putain. Je suis trempé avant même de partir. Les Airbnb, ils sont comment? Oh non. Ça, c'est la défaite. Ah là, on est bien. Ça, c'est une sacrée défaite. Oh, le mercredi. 110 km de prévu. Et Toufik vient de faire 50 mètres et a le fiac en feu. N'empêche qu'aujourd'hui, j'ai pas mis les bretelles, j'ai mis le tirage rapide. Ah. Un peu plus d'une heure 10 qu'on pédale. On est à bientôt 26 km. On a du soleil même. On avait peur d'avoir de la pluie hier, mais pour l'instant, on a du soleil. Petit passage en forêt bien sympa. On en profite pour manger un petit bout. Avant de rattaquer. Enfin, de rattaquer. On est plus en cyclotouriste qu'en cyclo-course. Petit paysage bien sympa. Petit pont suspendu. Qui fait que de bouger. Un collègue. Barthez. Le collègue. L'hélicoptère. L'hélicoptère. Hey, il marche sur le bord du trottoir, il arrive une grosse. Il tombe même pas. C'est pas possible, on fait exprès. Il y a des spécimens ici. Ah, mais lui, il est de l'animation. Il est connu dans le quartier. Ouais, tous les jours. Ouais. Charles Aznav. C'est sa démarche, les gars. Il casse la démarche. Merci. La pluie arrive. On a sorti les kawaii. Et on a notre gars de la D2 qui est prêt. 58 km. La fermeture du bloc. Allez, go. Jour 3, troisième route barrée. C'est dans nos habitudes maintenant. Arrivée à Richelieu. Troisième jour terminé. Aujourd'hui, on est à Richelieu. On a vraiment eu peur de prendre énormément de pluie. Et puis au final, au niveau de Tours, juste après avoir pris un petit truc sur la route pour manger, on a pris, on a pris 500 mètres de pluie, enfin, en termes de distance.
Et puis après, on a eu, par chance, on a eu du soleil. Donc voilà, là, on va aller faire 2-3 courses pour ce soir et demain. Et on va se reposer aussi ce soir. À mon avis, ce soir, il n'y aura pas de tour de barque. Ce sera plutôt repos. J'ai l'impression qu'ils n'en ont pas assez de la journée. Ils m'en refont faire du vélo encore et encore. Mais je n'en peux plus. Je suis rincé, là. En plus, j'ai une petite marque de bronzage bien sympa, là. De pur plaisir. Petit repas du mercredi soir, encore de la viande rouge pour ma part, viande rouge pour Toufik, histoire de vie, histoire d'envoyer un peu, et puis une petite andouillette pour Mika. C'est andouillette de Bamako. Il envoie sec ce soir. Bon, ça c'est des sels minéraux, c'est pour récupérer. Là on est bien. Moi j'ai pris ça juste pour la salade. Une bonne petite place, vraiment sympa. C'est vraiment cool ici. J'en peux plus de... Lui, il m'influence trop déjà. Et puis lui, il en a trop dans les pattes, il va nous tuer aujourd'hui. Départ du jour 4, 150 km au compteur aujourd'hui. Je pense que demain, ou même ce soir, on va... Fumer comme les gens. Ah ouais, on va être rincé sec. Mais bon, c'est la plus grosse étape de la semaine. Et après, on n'aura que 23 km à faire demain. Donc ça le fera bien. Un petit mot, Toufik ? On s'en passera. Allez, on se voit sur la route. De quoi, Toufik ? Ah, je suis en pleine forme du cul. Étonnamment étonné. Non, agréablement étonné. J'ai bien moins mal au cul d'habitude. Bon, c'est pas non plus la fleur. Voilà. La fleur au fusil. T'as refait ton frein avant et du coup, ouais, les sensations. Là, j'ai plus le même feeling. T'as plus le même feeling. T'as des meilleures sensations. Alors, on verra ça au premier freinage en bas de la première descente. Si je tire tout droit. Là, ça va être inquiétant. Salut, José. Avec ton beau petit paletot de la DDE. Regarde. Voilà, là, peut-être que la voiture ne nous avait pas vu grâce à moi. Parce que là, on a quand même un sacré temps de merde. Ah là, c'est pas le meilleur des temps. Ouais. 11h20, petit pit stop, bah ouais. Café, Toufik. Il est déjà usé. Non. Il nous reste 120 km. Dis-nous tout. Arrivée approximative à 18h. Facile. Plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins. Ça va dépendre. Bon, allez, dans 2 minutes, on reparle. 14h30, on repart. On a été manger dans une petite brasserie parce qu'on n'a pas trouvé de boulangerie ouverte. On est à mi-chemin, 77 km. Et puis, on a le soleil avec nous. Je vous jure, je peux plus me le boire en peinture. Il est chiant, mais il est chiant. Toufik, t'as un petit truc à dire pour la chaîne ? Ouais, il faut lâcher des gros pouces bleus sur toutes les vidéos, s'abonner, liker, partager un max dans vos stories, tout. Mais faut que ça perce, faut qu'il y ait des vécus 10 partout. Et faut suivre aussi M2S Performance, le copain derrière là. M2S Pro. M2S Pro là. Non, c'est un bon, faut suivre. Puis bah merde. Si vous avez 5 minutes, on suit ma petite page Insta, il la mettra par là. Où ça ? Par là. Ok, ça sera là. Et on n'oublie pas à la fin le petit. Avec la vitesse. Les poils. Les poils de vitesse. Ouais. Là, c'est la coupe de vitesse. Coupe aérodynamique. D'accord. Ça pédale sec. On voit que t'as bien transpiré là. T'as donné de toi. Ouais. Là, on envoie du bois, mon frère. 100 km à faire, 0-0 pile. Ouais. C'est bon. Un commentaire. Je suis sec. Allez.
C'est bon là, je pense que sec. 150, ça suffit pour aujourd'hui. Fallait pas plus. Tu vois quelque chose sur tes lunettes? J'entends plus rien. Je pose tout, je vois plus rien. C'est terminé. Il est oxy complet. Mika, en moi, là, j'aurais bien fait 200. Là, on est bien. Ça fait du bien. Étant donné qu'on est à la fin plus ou moins du road trip, on se permet des petits plaisirs. Pour charger les batteries. Un mot à dire ? Royal au bar. Royal au bar. Exactement, Royal au bar. On est bien. Sorti du petit resto, bien sympa. On est en train de digérer tranquille sur le vélo encore. Comme si on n'en avait pas fait assez aujourd'hui. Et puis là, je pense qu'on va aller se coucher parce que ça commence à être hard. C'est pour faire les 1000 de D+. Ouais. Sorti du resto, on digère encore et toujours sur le vélo. Avec un beau petit sunset, on va dire ça comme ça. Ça biche pas mal. Puis là on rentre, on va aller se coucher parce qu'on commence à bien être lessivé là. On a besoin de sommeil avant d'envoyer pour ce week-end. Dernier réveil de la semaine vélo. On a notre petit Toufik qui est au charbon à la vaisselle comme d'habitude. Il est au poste. La petite marque de la montre bien sympa. Et puis voilà, hein, aujourd'hui direction Saint-Jean. Bon là c'est carrément le bordel, on a toutes nos affaires qui sont un peu à l'arrache. Mais c'est le dernier jour, 23 km je crois, ou un truc comme ça. En toute détente. Oui, bien. On est bien, on a rasé la moustache, tout neuf pour Saint-Jean. C'est parti, dernier jour, environ 23 km aujourd'hui. C'est que de la récup aujourd'hui. Après bon, si c'est de la récup comme ils ont dit que c'était une balade pour descendre hier. On avait dit un truc tranquille. C'était une balade. Bon les gars, ça y est, on y est. Saint-Jean d'Angély. On est au panneau, on est à la ville, mais on n'est pas encore au terrain. Sous peu. Arrivé au McDo de Saint-Jean d'Angély. On recharge bien les batteries avant le week-end. On est arrivé. Après 510 km, je crois, environ. On est enfin arrivé. Bon, félicitations les gars. Ouais. On peut être fiers de nous. Toufik qui rentre dans le cadre, non ? Bravo, bravo. Je tiens à dire, zéro crevaison. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'image de réparation, de rien du tout. Même zéro crevaison sur 500 bornes. À ça de se faire chier. Ouais, franchement. À ça. Heureusement qu'il y a deux chutes de Toufik. Ah, les deux petites chutes de Toufik pour nous animer. Mais on est arrivé à la destination Saint-Jean d'Angély, les gars. Maintenant, on va vlogger le week-end. Hein, et je pense que là, il y a moyen qu'on rigole 2 minutes. Chut, chut. Allez. Topette. Topette. Et notre sauveur est là. Allez. Tu mérites. Bon, nickel, j'ai pas de chance pour la semaine. Allez. Alors celle-là,
Alors celle-là, elle est très très belle. On n'a pas crevé de la route et il arrive à crever dans le camion. Ouais, oh là 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 là. Historique. On n'a rien fait. T'es infernal. Ouais, t'es un enfer. Mais c'est pas moi, c'est ton camion de merde. Bon là, on lâche du full inside. On peut pas être plus près que ça de la grille. L'objectif, c'est que Tom Vial soit là-haut, tout en haut. La fête, c'est le bang bang. Un petit avis sur ton roulage de demain? J'espère que le club va bien pouvoir préparer la piste cette nuit. C'est un peu sec là actuellement. Après, on a des conditions vraiment particulières en France depuis 15 jours, 3 semaines avec cette canicule. Oui. Mais je suis confiant, c'est un bon club. Tu te sens bien, t'es à l'aise? Ouais, je les sensations. J'ai les cannes, là on a fait que 515 km de vélo cette semaine, donc... Le feeling? Ça va, ouais, le feeling. Comme le frein avant. Le feeling est bon. Du coup, tu vises? Le feeling est bon. Ouais, un top 34. Top 34. 134 engagé. On a pu assister au photoshoot autrichien. Des motos autrichiennes. Toufik, ouais. Il y a plein de personnes qui nous ont dit. Vous êtes pas venu en vélo, ouais, prouve-le. Prouve-le. Comment on le prouve? Ouais. Non mais c'est vrai, les gens ils nous croient pas. Alors que... De toute façon, ils le verront avec la vidéo. Bah oui, ils le verront. Du coup, on finit le tour du propriétaire. Du coup, tour du propriétaire, on est chez Dunlop. On a les bibles, les pneus avant, les pneus arrière. On est sur du pneu ici, on est à Saint-Jean, donc on est sur de la terre. Du pneu dur, sec. Aujourd'hui c'est sec. Et après, fais-nous visiter un petit peu. Après, là on a le garage plus ou moins. Pas mal. Mon copain là. Interview, monsieur. Allez, finissez. Et le motoroom. Avec la petite cuisine. La petite cuisine là. Des familles. Voilà. En cuisine. Ok. Tout ce qu'il faut. Café, surtout café. Super important le café. Un petit débarras. Tu parles d'un débarras. Voilà. Avec la petite table pour se poser pour l'apéro. Là, c'est vraiment le. Avec la télé, on pourra regarder Grand Prix s'il pleut, mais vu qu'il n'y a pas de pluie. Voilà, c'est ça, pas de pluie en France. Top. Ça, c'est le point cocooning. Ok. Un cocooning. Parfait. Really serious. Serious. Hein. Oh, pas mal. Pop, it's my gassure. Installation de notre lit pour ce soir. On n'y est pas encore. Là, on va refaire un petit truc juste après pour vous montrer l'après. Genre juste après là, attention. 1, 2, 3. Voilà. Bon, le pack. Mais le lit est fait pour. Ni vu. Allez, bonne nuit. Maintenant que le lit est fait, je pense qu'il est temps qu'on monte dans le petit paddock où il y a un petit peu de bruit. Allez, on monte. Topette ! Je tiens à dire quand même que mon trafic reste incroyable. Oh là là, la beauté.
et le paddock le soir. C'est calme ici. Je suis pas sûr que là-haut ce soit la même chose. Bon, petit débrief après la première manche. Bon, on est vendredi soir, on vient à peine d'arriver, la route était longue, mais bon, ça s'est bien passé, on a bu quelques bières. Vous êtes mis bien? Ouais, ça va. Demain matin, réveil 6h30. Et, footing? Petit footing pour mise en jambe avant la première, les premiers essais à 7h30. Ok, rendez-vous demain matin, Lucas. 7h30. Bisous. 2h30 du matin, notre Toufik en caleçon dans le paddock du Grand Prix. Après une bonne petite douche, gras comme un loukoum. Un peu de respect, mon dieu. Bon, on a été faire un petit tour là-haut. On a vu les copains, tranquille, pour ce vendredi soir. 2h30, on était à la douche, vu qu'il n'y avait personne, et puis on avait de l'eau chaude. Et puis là, on va aller se coucher avant d'attaquer la journée de demain. Ah bah là, on n'est pas emmerdé par le public. Tchou. Début des hostilités. Yes, sir! I wake up, flex, I'm down that check. No drip, this wet. Tell him run it up. No sleep, no rest. Might crash, might break. No first dive, stretch. Tell him run it up. I wake up, flex, I'm down that check. No drip, this wet. Tell him run it up. No sleep, no rest. Might crash, might break. But first dive, stretch. Tell him run it up. 9 out of 10, run through my hands, I'm by my lonely. To a savage, now my baby wants to hold me. I love my fans, don't need no friends, I got my homies. Thought I could trust you, I find out you tried to zone me. I'm number one, I'm on that court, I'm liquid grip. The first we leave, the last one, I can call me new. Put in my hours, send in, boys, send me pain. I need 6 months like MJ. Oh là là, Tout fique. Ouais, ouais. On s'est pas beaucoup montré aujourd'hui, les gars. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, là. Mais quand même, il y a un beau petit paysage, là. Samedi. Youhou. Ce samedi, ça a été vachement calme au niveau du vlog. Mais ce soir, à mon avis, ça va être moins calme. On va se Ils vont passer devant, on va couper le vent. On va se rattraper ce soir. Allez. I wake up, flex, thumb down that check. No drip, this wait. Tell him run it all. No sleep, no rest. Might crash, might wreck. But first die, stretch. Tell him run it all. I wake up, flex, thumb down that check. No drip, this wait. Tell him run it all. No sleep, no rest. Might crash, might wreck. But first die, stretch. Tell him run it all. Y'all gon' make me take that trip way out to Europe. Call up Nigel, he'll come through in a hurry. Those London boys don't come to play, you should get worried. One false move, find yourself there getting buried. Dance with the devil, used to love playing those games. Made some bad decisions that brought my mama pain. I made a promise to her, swore that I would change. I'm on the come up, bet I live up to my name. I wake up, flex, I'm down that check. No drip, this wait. Tell him run it up. No sleep, no rest. Night crash, night break. Tu connais le DJ Tô, il y a le vlog de jour 2. Yeah. Début des hostilités. Ouais, début. On a bien dormi. On a dormi tôt. Royal au bar. Royal au bar. On a dormi Royal au bar. On a dormi Royal au bar. Et on a dormi tôt, on s'est pas tordu. On s'est pas trop tordu, ça va. Toi, non. Et là, du coup, aujourd'hui, les manches. Tu me racontes pas ce que ça dit tout à l'heure. Qu'est-ce que ça fait tout à l'heure? Hier, qu'est-ce que ça fait? Je me rappelle pas. C'est très cuillère, non? Allez, début des manches après. Ouais, début des manches. Et on espère que les Français vont mettre du gaz. Tompette. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you slide with me.
stick your finger high when you ask a deal, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? h 50, on arrive chez Toufik, fin du périple. Et franchement, bonne expérience. Hein. Si c'était à refaire, je le referais. Ok. Voilà. Ravi de ton avis. Je pense qu'il est temps qu'on aille se coucher. On est un peu tous fatigués. Là. Ouais, je pense qu'on a un niveau de fatigue incroyable. On a un déficit du sommeil. Un déficit de sommeil, clairement. Donc on vous dit à bientôt pour. Un prochain road trip. Un petit road trip, ouais. Ouais. Tourmalet. Oula. Oula. Oula, on verra plus tard. Temporise quand même un peu. On verra plus tard. Ouais. Sur ce, bisous les copains. Ciao. Ciao. I wake up, flex, I'm down there, check, no drip, this, wet, tell them run it up, no sleep, no rest, night.